Quelle saveur? Le thé est brûlant aujourd'hui. En ce temps d'automne, ça fait tellement du bien de boire de l'eau chaude avec des épices. Surtout que je commence à tomber malade. C'est quelle invention ça encore? Hey, Spark Dice de retour pour jouer de mauvais tours. Beau crâne de merde. J'espère que ça va chez toi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un ask. Et oui, comme d'habitude, une fois par mois, on prend des... J'aime bien ce petit rituel, ça nous fait du bien. On est toujours connectés, au moins une fois par mois. Vous prenez de mes nouvelles. Anyway, je vais répondre à vos petites questions sans plus attendre. C'est parti, let's go. So Thomas, t'as pas 1000 euros? Oula! Les réseaux sociaux, ça ne paye plus? SKSEI, Trichba, t'as écouté l'album Brawl d'Angèle? Il y a une abonnée qui a répondu, il y a intérêt. Oui, j'aime trop Angèle. Pour ceux qui connaissent pas, moi à la base, j'écoute pas du tout de pop française. J'écoute pas du tout de musique, enfin, variété française. Mais là, pour le coup, bah, c'est une artiste belge qui a tout cassé dans le game. J'aime trop ce qu'elle fait. Son album est sorti et oui, j'ai adoré. Ma chanson fav, c'est Victime des réseaux et Ta reine, j'aime trop aussi. Voilà, voilà, et aussi balance ton quoi. Attendez, je vais vous faire écouter, je suis un peu généreux en ce moment. Waouh, écoutons un peu. Balance ton quoi, donc laisse-moi te chanter. Allez, te faire. Où je passerai balade. Parce que mes mots sont pas très beaux. Balance ton quoi. Reima, tiré du bas, Mabadi, a demandé: as-tu rencontré des stars, Kim Kardashian, etc. Sinon je t'aime fort, ma queen. Moi aussi je t'aime trop. Et alors des stars, oui j'en ai rencontré. Bon, vous le savez tous déjà, j'ai déjà vu Rihanna. Déjà j'ai touché ses cheveux quand j'étais allé devant son hôtel un jour. Je vais pas vous raconter cette histoire pour la millième fois, mais vous le savez. Donc ça c'est pas vraiment rencontré en vrai. Après on peut dire, bah j'ai rencontré Tini Stossel, la star de la série Violetta, qui aujourd'hui bah est chanteuse, puisque j'ai fait une interview avec elle. Bébé Rexha, je l'ai rencontré deux fois. Et elle s'est souvenue de moi la deuxième fois où je l'ai vue. Ma vie, ma reine, elle m'a dit j'avais glow up et tout. Ma vie, je l'aime trop. Ensuite j'ai rencontré qui? J'ai rencontré Troye Sivan, je l'ai vu deux fois. Donc ça c'est pour les rencontres où vraiment j'ai vu les gens, où j'ai pu leur parler genre en leur disant quelques mots. Maintenant des stars j'en ai vu genre en concert, etc, etc, en promo. Mais qui d'autre? Non, dans les Kardashians après j'en ai vu. Ah si, j'ai vu Kris Jenner. Mais ça c'était en promo aussi, c'était devant son hôtel. Elle sortait de son van et tout, cette légende. Elle était grave offusquée par la foule et par la sauvagerie des parisiens. Mais c'est comme ça ici, parce qu'on a pas, on a pas trop de stars. Donc on est obligé de s'exciter quand il y a des stars françaises qui viennent. J'ai vu qui d'autre? Franchement des stars j'en ai vu plein. Ou alors même quand je suis dans Paris, genre j'en vois de vue, etc, etc. Ou genre tu sais, il y a un attroupement de monde. Des fois tu te balades dans Paris, tu veux prendre ton café, tu vois il y a du monde qui s'attroupe. Et genre ils disent ah ouais il y a telle star là-bas, ah il y a ci, ah il y a ça. Genre à Paris c'est grave normal. Hollywood who? Valentine 1207LO, la pire trahison qu'on t'ait faite? Ah franchement faut que je réfléchisse, parce que je sais qu'il y en a, il y en a dû en avoir quand même en 19 ans de vie. Enfin 18, bientôt 19. Non, il y en a forcément eu une. Ah ouais. En fait, à l'époque, vous le savez tous, avant que j'ai cette chaîne, j'avais une autre chaîne YouTube, mais c'était que pour le délire. Déjà, j'avais 14 ans, donc ça comptait pas, je pense. Mais vas-y, j'avais une chaîne qui s'appelait Johan's Production. Et dessus, je faisais des télé-réalités sur les gens de mon collège, ou c'était des trucs sur les gens de mon collège. Que des trucs, c'était une chaîne de groupe, genre carré. C'était mon Awesomeness TV à moi. Bref, bon, j'avais 14 ans, donc il y avait genre quoi, 400 abonnés et tout. C'était genre les gens du collège, ça allait pas plus loin, hein, ça avait pas Bob et tout. C'était déjà YouTube, c'était même pas comme c'était aujourd'hui. Genre, il y avait pas de YouTuber lifestyle encore. Ça commençait à peine. C'était en 2013. Bref, la trahison, c'est que. À chaque fois, en gros tous les gens avec qui je travaillais sur cette chaîne, ils m'ont lâché du jour au lendemain. Alors qu'en fait, moi j'avais des gros projets, genre j'avais grave prévu des trucs et tout pour la chaîne et tout. Mais quand je vous dis des vrais trucs, hein, en vrai la chaîne elle aurait pu percer, ça se trouve aujourd'hui j'aurais... Non mais en vrai tant mieux, parce que comme ça j'ai pu faire ma chaîne Spark Dice. Aujourd'hui tout va bien pour moi, c'est Spark Dice, c'est pour moi. Mais bref, pour ce projet là, bah j'avais prévu des tournages, décider ça. Et les gens, ils m'ont tous lâché du jour au lendemain. Ou alors c'est pas qu'ils m'ont lâché, ils m'ont dit on veut plus faire ça, c'est qu'à chaque fois je prévoyais et il me disait à la dernière minute non je peux pas faire, non je peux pas venir et tout. Genre par exemple, oh il y avait un jour, je devais tourner dans Paris toute la journée. Et la personne avec qui je devais tourner, c'était genre pour 5 épisodes pour tout le mois, on tourne tout en une journée et tout. J'étais grave déter et tout pour 120 vues, c'était déjà bien. Bref, je prépare tout mon matériel pour filmer, ma caméra, etc, etc. Je suis fatigué le matin, je vais à la gare parce que j'habite pas à Paris, je suis en banlieue, bref. J'avais planifié toute la journée, c'était une grosse journée de tournage énorme. Et la personne, je l'appelle, elle se pointe pas. Je l'appelle encore, elle se pointe.
pointe toujours pas. Encore, elle se pointe pas. Et elle répondait pas, elle m'avait mis en plan, en gros, pour mon gros tournage que j'avais tout prévu. Genre, en gros, quand je vous dis que tout l'effort que je pouvais mettre dans un projet, quand tu mets tout... Parce que là, je rigole, en vrai, je dis genre, ouais, 400 abonnés, etc, etc. Mais ça restait quand même du travail, parce que c'était genre ma passion. Genre, c'est comme si tu mettais tout un effort dans un dessin. Ok, personne va le voir, mais t'as travaillé quand même dessus, tu vois ce que je veux dire. Bref, j'avais mis tout mon effort dans mon projet, toute ma force de travail, j'étais prêt à faire mon montage et tout et tout. Et la personne, elle se pointe pas pour qu'on aille tourner. Et j'étais comme ça à la gare avec mes outils, là. Après, elle m'avait dit quoi en excuse, je suis malade, je sais pas quoi. C'était faux. Mettre des plans comme ça ici. Bref, un jour renaîtra Jones Production sous un autre nom et avec des vrais gens, des youtubeurs. S'il y a des amis youtubeurs ici là qui regardent mes vidéos, on va construire un nouveau Jones Production ensemble. Hogwarts X Alumni. C'est quoi Alumni? Parce que Hogwarts, ok, c'est Poudlard, ma vie. Et j'adore ta pépé. C'est qui ce joli garçon? C'est moi, ma vie. Yes. Non, je rigole. On dirait que je suis fou. Bref, c'était comment tes années scolaires au collège, comportement et notes, et pourquoi tu as commencé YouTube? Alors on va commencer par la première question. Mes années scolaires au collège. Elle a pas dit lycée, hein, attention. Franchement, je travaillais grave bien. Bref, comme tout le monde, en 6ème, bah, j'avais une trop bonne moyenne. 5ème, 4ème, 3ème. Bref, mais je suis jamais redescendu en dessous de la moyenne. Genre ma plus basse moyenne, elle devait être de 11 ou 12. Ou 13. Franchement, j'étais un bon élève au collège. J'avais des bonnes notes, je travaillais bien, j'arrivais toujours à m'en sortir. Je faisais juste ma vie. Donc voilà, au niveau du travail, ça allait. Je faisais toujours le nécessaire et j'allais pas plus loin, mais genre tranquille, en vrai, je travaillais très bien. Même pour mes devoirs, j'arrivais toujours à m'en sortir. Genre quand je faisais pas mes devoirs, j'arrivais toujours à, je sais pas, faire, aller finir dans d'autres classes ou faire ci ou faire ça, genre magouiller, je sais pas, à mentir au prof, etc. Faut toujours trouver son intérêt quelque part. Bref, et au niveau du comportement, j'étais un élève ultra bavard. Quand je vous dis, oh mon dieu, je parlais tout le temps. C'est-à-dire que j'arrivais pas à m'arrêter. En fait, j'arrivais en cours, j'étais en mode yes, les cours, espace détente, chill. Comment ça va toi? Viens, on apprend à se connaître. Ouais, c'est quoi? Tu fais quoi comme business? Ouais, parce qu'au collège, on fait tous des business. Avouez, vous êtes au collège là. Enfin, ceux qui sont au collège ou au lycée, vous créez des business genre entre vous, genre ouais, je vais faire ma chaîne YouTube ou je sais pas, je vais faire mon club d'échecs ou je sais pas quoi. Bref. Bref, on parlait de nos business entre nous. Ouais, nanani, nanana, I make money moves, nanani. Et après, on parlait, on prenait, je sais pas, en fait, les cours, ça me manque juste pour ça. C'était grave un espace d'apprentissage, mais d'apprentissage des autres. Genre, franchement, c'était grave une expérience humaine quand tu penses. En fait, c'est grave une expérience humaine, hein, le collège et le lycée. Bref, du coup, moi, j'étais grave en mode, je parle, je bavarde, etc, etc. Je rigole avec mes potes. C'était obligé, il fallait que je ressorte de ma journée de cours avec le sourire, c'est tout. C'est comme ça. Et les profs, si vous êtes pas contents, bah, c'est votre problème. Et oui, ils ont pas été contents et ils me l'ont fait comprendre dans mes bulletins. À chaque fois, ils mettaient bavardage, bavardage, bavardage. Au lycée, j'ai même eu un blâme de comportement, mais bref. Kika là, est-ce que ça m'empêche de travailler aujourd'hui? Non. D'ailleurs, oui, hein, les profs là, ils vont vous mettre des blâmes ou des comportements, des notices là. Si vous, au fond de vous-même, vous savez qui vous êtes et vous savez que vous avez de la valeur, vous travaillez bien, c'est pas ça qui va vous arrêter dans la vie. Hein. Maintenant, si vous êtes, vous commencez à voir que vous êtes bancal, banco, là par contre, faut se reprendre. Ah ouais, c'était quoi l'autre question? Pourquoi tu as commencé YouTube? Déjà, bah, j'avais mon ancienne chaîne, après... Franchement, en fait, moi, je voulais genre grave avoir mon média, moi. C'est-à-dire que c'est pas les youtubeurs qui m'ont inspiré. À chaque fois, les gens, ils disent, ouais, nanani, Cyprien, nanani. Bref, moi, je regardais comme tout le monde parce que, voilà, c'était le programme de divertissement à suivre à l'époque, Cyprien, normal, tout ça. Mais moi, c'est juste que je voulais faire genre comme MTV. Je voulais créer ma propre chaîne de télévision. Et entre-temps, bah, j'ai fait ma chaîne Spark Dies. Et puis, ça m'a plu. Genre, en fait, je prends grave plaisir. Ça m'a fait gagner confiance en moi, etc., etc. Et aujourd'hui, je me pose devant ma caméra et j'adore ça, vous parler, faire le con devant ma caméra, recevoir des insultes des haters. Recevoir des commentaires d'amour, tout ça. Franchement, ça me plaît, j'adore ce monde. Et c'est pour ça que j'ai commencé YouTube. Et aussi, ouais, je voulais un tremplin pour mon avenir. Parce que c'est un super tremplin YouTube, voilà. Ah, j'ai vu, il y a plein de gens, vous utilisez mes Sparkmoji. Je vous aime trop. Marina Peltic, Marina Paldar. Ah, j'aime trop ta pépé. Ma vie, elle a mis son meilleur rouge à lèvres foncé. Bref. Elle m'a demandé, tu voulais faire quoi comme métier quand t'étais petit? Déjà, le seul métier dont je me rappelle, vous allez dire, oh putain, banal, vous êtes, enfin t'es banal, t'es normal, t'es comme tout le monde. Je voulais être astronaute, comme tout petit enfant, à chaque fois, je sais pas pourquoi, genre les enfants ils veulent être astronautes, je sais pas, c'est parce que, c'est genre le délire,
waouh, ça va vite, les étoiles, l'espace, etc., etc. Mais par contre, j'étais vraiment passionnée par l'espace. Bref, j'étais grave passionnée par l'espace. Après, laisse-moi me rappeler aussi ce que je voulais faire. Si, après, vers la suite, je voulais surtout travailler dans la musique, etc., etc. Ouais, c'était grave ça. Genre, j'aimais trop la musique et je voulais grave être genre dans l'artistique. C'est-à-dire que je dansais n'importe comment, hein, mais je dansais. Après, j'ai pris des cours de chant, mais j'ai abandonné. Après, j'ai pris des cours de piano, j'ai pris des cours de batterie. Et puis je suis star, et puis je suis connue. Bref, ouais, en fait c'était ouais, tout ce qui touche à l'artistique, c'est quelque chose que j'aimais trop parce que j'adorais la télé et j'analysais tout. C'est-à-dire que quand je regardais un programme télé, je regardais tout. C'était pas juste je regardais le programme, genre même la DA, tout ça, j'arrivais à comprendre et tout. Je me jette pas des fleurs, mais c'est juste que je me rappelle que par exemple je regardais quelque chose où ah j'aimais trop Disneyland et tout, et j'avais des cahiers Disney. Dites-moi si ça vous plairait un jour que je vous les montre, mais j'avais des cahiers où je découpais, je sais pas, des programmes Disney, etc., etc., et je dessinais avec et tout. Enfin, j'aimais trop dessiner, j'aimais trop tout ce qui était artistique, en gros c'était mon délire. Dorian DL me dit: si tu pouvais réaliser un de tes plus grands rêves là maintenant, lequel serait-il? Lequel serait-il mon plus grand rêve là en ce moment maintenant? Ce serait d'avoir une putain de maison à... Non, un putain de loft à New York. Genre, offrez-moi un loft à New York. Soit ça, non, soit à Paris. Bref, avoir une maison. En fait, c'est juste ça que je demande. Je vis très bien chez mes parents, etc., etc. Mais juste, j'aimerais juste avoir un putain de grand appart à Paris. Soit ça, parce que moi je suis à Paris, comme ça je suis tranquille. Ou je vivrais seul, parce que j'ai besoin d'être seul dans un grand espace. Ou avoir un grand loft à New York, en plein Manhattan ou Brooklyn, un truc comme ça. Ou à LA, même si à LA, j'ai l'impression que je m'ennuierais au bout d'un moment, même si j'aime trop. Mais bref, un grand appartement dans une mégalopole, et pas en banlieue ou je sais pas où. Et quand je dis Paris, Paris centre, pas le contour là. Parce qu'on connaît Paris 12, 15, tous les contours là ici. Après Paris 16, ça va, j'aime bien. Je vous détaille ma demande parce que ça se trouve, il y aura une âme charitable parmi vous. Océane me demande: ta série du moment continue comme ça, cœur cœur. Moi aussi j'ai... Ah mais tu m'as pas dit je t'aime, tu m'as dit continue comme ça. Bah en tout cas ça fait super plaisir, merci, c'est gentil. Ma série du moment, alors oui, comme tout le monde, Elite. Oui, c'est sorti vendredi et j'adore. Parce que voilà, il nous fallait une série ado avec des drames comme ça, ça m'avait manqué. Maintenant je vais pas m'attarder sur le sujet parce que je pense qu'on en parle déjà beaucoup sur les réseaux. Mais ma série du moment qui est un peu moins connue du coup, mais qui je pense a quand même pas mal percé cet été, que j'ai adoré, quand je vous dis, je l'ai graille la série, vraiment genre littéralement, j'ai adoré cette série. C'est Good Girls. C'est-à-dire qu'à la base la série, je l'ai commencé comme si comme ça, j'étais en mode bon, que regarder sur Netflix, tu sais, quand tu scrolls pendant des heures et tu cherches quoi regarder. Et j'ai commencé par curiosité et j'ai adoré, genre littéralement je prenais plaisir à aller dans mon putain de RER pour pouvoir regarder mon épisode, tellement j'aimais trop. Donc c'est l'histoire de trois mères qui sont en problème d'argent, qui ont besoin d'argent je pense comme nous tous, et qui vont décider de faire un braquage. Mais il s'avère qu'elles vont se retrouver liées à la mafia. Parce que voilà, bon après je vais pas vous spoiler. Et ça va être trop drôle, genre elles vont devenir des gangsters alors qu'à la base c'est des mères banales, etc., etc. Mais je les aime trop, tu t'attaches au personnage, c'est assez drôle et en même temps bah, c'est touchant. Et puis tu veux savoir ce qui se passe, d'un côté t'es intrigué, etc. Donc je vous conseille la série, vous allez trop kiffer. Voilà, ça met du peps en fait dans une vie normale. Bref, l'histoire elle est originale. Marie, ça fait depuis combien de temps que vous vous connaissez avec Bilal? Alors Bilal, je l'ai connu depuis... En fait, je le connais de vue depuis que je suis arrivé sur YouTube, c'est-à-dire 2015. C'est la première année où je l'ai vu, tout ça. Alors, à la première soirée où je l'ai vu, je l'avais adoré parce que je trouvais que c'était quelqu'un qui, genre, pour son âge, était grave mature, il parlait de ouf et tout. Et j'étais grave en mode, waouh, cette personne trop cool et tout. Mais d'un côté, j'avais grave peur de lui. Parce qu'il est impressionnant un peu quand tu le vois au premier abord. J'avais peur de Bilal. J'étais grave en mode... Si on m'avait dit que Bilal, je sais pas, un an plus tard, ça allait être mon meilleur ami. Deux ans plus tard, bref. Ouais, donc en gros, ça fait 4 ans que je le connais de vue. Mais que je le connais vraiment, 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 ça s'est fait début 2017. Genre, décembre 2016, tournage de son clip Wannabe, son premier clip officiel. Et bah là, ça a commencé à devenir vraiment mon ami, on a commencé à traîner ensemble. 2017, petit à petit, et là, vraiment, genre, 2017, ça a été l'année du début de notre amitié. 2018, Singapour, etc., etc., etc. Et c'est vraiment mon meilleur ami, je l'aime trop. Maintenant il commence à me saouler, donc je sais pas si on va renouveler notre contrat d'amitié, je verrai. Non, c'est un délire entre lui et moi, commencez pas à dire, à crier, gossip YouTube, etc. Jérémy, tiré du bas, SES, Park Days, canon depuis 1979. Ben non, depuis 1999. Non, je rigole. Non, mais c'est gentil, en vrai, je reçois plein de messages, genre, t'es grave beau, nanani, nanana, et moi, ça me donne grave confiance en moi, c'est grave gentil, parce que c'est pas des choses qu'on me dit souvent, genre, de base, et ça fait trop, trop, trop plaisir,
Et dites-vous ça à vous-même aussi, parce que c'est hyper important de se dire ça le matin devant le miroir. À tous les gens qui vont dire nanana narcissique nanana. C'est bon, 2018, il faut avoir confiance en soi. Si on continue à se descendre chacun, enfin bref, si tu te descends toi-même, en fait les gens qui se descendent eux-mêmes, non, en fait les gens qui vont descendre les autres gens, ben ça se voit, c'est les gens qui se descendent eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? En gros les haters, tout ça, tout ça, tout ça, les gens qui, je sais pas, qui crachent sur les réseaux là, sur les gens, genre je sais pas, je vais poster une photo de moi-même, les gens ils vont dire PD, nanana, t'es moche, tout ça. Ben c'est les gens qui eux-mêmes n'ont pas confiance en eux parce qu'ils se sentent moches, etc, etc. Si vous apprenez à avoir confiance en vous, ben vous allez aimer les gens peut-être, et vous allez arrêter de nous faire chier, bref. En tout cas c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, je vous fais des très gros bisous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, à plus, yass.